Nous revoilà pour le deuxième match de YouTuber Contenders qui cette fois-ci opposera Dailymotion et La Cagoule face à Tsukio. Que le meilleur gagne. Je voulais aussi donc parler d'un petit sujet, comme vous avez pu le voir en haut là-bas, il y a notre cher ami Cagoulé. En fait voilà, j'étais un petit peu déçu, j'ai vu que j'ai reçu énormément d'insultes de personnes et beaucoup de menaces de mort et... En fait, le problème, c'est que tu peux pas mentir à ta communauté comme ça. On m'a juste dit que j'étais un Tsuki au McDo, qui se nourrissait exclusivement de McDonald's et de kebab. Salut à tous, c'est Tsukio Power. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma vie. On va d'abord aller au McDo, puis ensuite au KFC. Et je pense qu'ensuite, j'aurai un peu faim sur la route. Du coup, on s'arrêtera au Quick. Ah mince, j'ai oublié de mettre le dernier titre de ma vidéo en majuscule. Donc, c'est mon alarme. Donc, c'est pas la même chose, c'est vrai, je suis vraiment désolé. Donc, je retiens mes propos à tous les fans de la cagoule. Il a jamais dit que j'étais gros. Il a dit que j'étais simplement un Tsuki au McDo qui se nourrissait que de McDonald's et de kebab. Donc c'est vrai, j'ai menti. On peut le dire, j'ai menti, c'est vrai. En fait, le problème c'est que là t'es bien parti, là t'as fait ta série, tout ça. Bon, c'est cool. Moi je m'en bats les couilles. Mais... T'as eu une nouvelle communauté, de nouveaux abonnés, tout ça. Et tu as menti. Tu as dit que je t'avais insulté de gros porc. Ce n'est pas le cas. Tu as dit que j'avais demandé à mes abonnés d'aller dislike. Ce n'est pas le cas. J'ai juste dit que c'était de la merde. Oui. On n'a pas besoin de gens comme toi sur YouTube qui sont juste là pour mendier et c'est genre insulter YouTubeur gratuitement. Donc là, c'était mon insulte. Tsukio Power faisait des menaces de DDoS en vidéo. À menacer des streamers de DDoS, à menacer la famille d'autres streamers. Ce type là, c'est le mal, je sais pas comment vous dire. Je vais pas dire que c'est le shétan, tu vois ce que je veux dire, mais putain, lui c'est obligé que pour réussir sur internet, il a fait un pacte avec le diable ou je sais pas mon pote, tu vois. Comment quelqu'un d'aussi malhonnête, comment tu peux percer sur YouTube? Comment tu peux percer sur Twitch? Comme chez eux, fils de pute, c'est pas une insulte, parce que là-bas, toutes les mères sont des putes, là, toutes les mères sucent pour de l'argent. C'est dans leur cité ou je sais pas trop, hein, la cagoule. Là, je veux dire, en fait, c'est normal parce que vu que lui, depuis qu'il est jeune, apparemment, sa mère elle. Bah, sa mère elle suce pour de l'argent. Du coup, quand il dit fils de pute, c'est pas une insulte. C'est comme ça, c'est normal. Et bien voilà, c'est la fin de ce YouTuber Contenders. Mais avant de vous laisser, on vous laisse avec une dernière pub. Car oui, chez YouTube Contenders, c'est vraiment la dèche. Excusez-moi les canards. Un poteau!